Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 335 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui paraît simple, la musique est simple et sympa, qui s'appelle Contraste. Voilà, je laisse les écrans s'amuser. Hop, donc on peut jouer à la manette. On va regarder justement les options, qu'est-ce qu'il propose. Ok, bon bah on joue à la manette. J'ai pas envie d'apprendre, on verra bien les commandes. Et ben on va faire une nouvelle partie. Sur quel jeu va-t-on tomber? Contraste. Sauvegarde effectuée. Chargement. Il a sauvegardé avant même d'avoir commencé. Au moins voilà. Ok. Ok. Je suis une femme. Je peux rien faire. Interagir X. Un objet collectionné. Select. Papa, maman, moi. Ok, on va interagir avec ça. Ok, est-ce que j'ai gagné un autre objet avec la... Non. Ah, ça met la musique en route. Sans dire des conneries. Ah, qu'est-ce que j'ai bien pour faire? Là, il y a une lampe. D'éteindre la lumière. Oh putain, c'est en français et tout, bien, bien. Ça fait deux fois de suite qu'on tombe sur des gens français là, c'est bien. Didi. Les voyages du ballon rouge. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman arrive. Cache-toi, ou elle va t'attraper. Bonne nuit, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Je crois qu'elle ne peut pas te voir. Promets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est promis. Et pas de sortir. Il est où sa maman? Elle est invisible. Finir par m'attirer des ennuis. Juré. Très bien. Tu es gentille, Didi. Maman, est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ok, ah. Elle est partie. Elle va chanter au Gosnes ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Allez, on va manquer son spectacle. Ah ouais, d'accord. Rejoins Didi sur les toits. Tranquille. Ok, pour sauter, c'est A. Oh non! Quelqu'un a bougé le chariot! Regarde! Je sais. Tu vas descendre et déplacer le chariot pour que je puisse sauter en bas. Je vais mettre la lumière ici. Ah ouais, tu m'as pris pour ton esclave, toi. Et devenir une ombre. Devenir une ombre. Appuie sur RT près d'un mur pour devenir une ombre. Ah ouais, t'es sérieux? Waouh, j'aimerais pouvoir faire ça. Tu crois que tu pourrais m'apprendre? Ok, maintenant approche le chariot pour que je puisse descendre. Tranquille quoi, elle se transforme en ombre. La fille, c'est, elle a des amis, même sa mère, c'est une ombre. Je me demande qui l'a déplacée. Tu crois que c'est maman? Elle m'a grondé la dernière fois que je suis sortie. Mais où étais-tu passée? Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vue. J'aurais que je ne t'ai pas vue. Papa a raté mon anniversaire. Elle est triste, maintenant, hein? Maintenant, on va par là. Ok. Suis-moi. Je suis une petite fille. Ça va, le graphiquement, il envoie du pet et ce jeu, regardez.
Ça lag pas, tout est fluide. Le moteur, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Attends, c'était pas marqué quand on a démarré le jeu? C'était pas une réelle? Putain, j'ai oublié déjà. Retournez au début de la vidéo, si c'était pas marqué, il me semblait que c'était une réelle. Une réelle. Oh, je crois que tu es trop grande. Je crois que ça mène à l'autre rue. Si je déplace ce chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye? Ah ouais, ça va trop bien ça par contre. Trouver un moyen de sortir de la ruelle. Bah oui, parce que je vais me transformer en ombre. Et je vais faire tac 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 tac. Ah merde. Parce que du coup je disparais automatiquement. Allez, on va être hors. On se retrouve au Ghostnut. Ok, donc je vais m'éloigner de la nana. Luminaire obtenu 1 sur 10. Donc on est dans une maison. Oh putain. Ami invisible. RT près d'un mur éclairé pour devenir une ombre. Trop bien ça. T'as la rue belle aussi. Je sais pas dans quelle année c'est, mais c'est joli. Ils n'ont pas encore commencé le spectacle. Tu as manqué les danseuses. Elles étaient tellement belles. Ok, donc on est déjà arrivé. Je serai danseuse. Ou bien acrobate, comme toi. Tu as toujours voulu. Allez, interagir. Ça suce-moi bien là, hein. Il y a personne dans ce machin. Oh, qu'il y a des lumières qui s'allument partout. Allez, mon chou. On va jouer avec la lumière. On va pas jouer dans le noir. Sur le groupe de musique. Ah merde. Hop là, on va chercher lui. Yo, Fla. Plus la musique apparaît en même temps. Et il manque le pia. Pia. Le projo a un problème là-haut. Est-ce par qui? Tu pourrais t'en occuper aussi. Il casse vraiment l'ambiance. Comment je fais pour monter là-haut? Non, on va pas dire que c'est ça. T'es sérieux là? Je suis monté là-haut par les ombres, quoi. Ce jeu, il est trop bien, en fait. Piano. C'est parti. Ah, sa mère, c'est une ombre. C'est vrai. Tout le monde est une ombre, en fait, dans ce jeu. Sauf la fille. La fille, elle est vraie. Je m'en bats les couilles. Je vais passer. Désolé, je vais passer ça. Écoutez discrètement, Kat. Discrètement. Je sais pas, une porte grande ouverte avec de la lumière. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner, Johnny. On avait un accord. Tu appelles ça un accord? Je voulais pas partir, c'est toi qui m'as mis dehors. Tu veux de l'argent, c'est ça? M'en bats les couilles. De tous les bars de l'univers. Suivre Johnny. Johnny be good. Bon bah je vais dehors. Sauvegarde. Chambre 529. Succès.
Quelqu'un qui me suit, non? J'ai cru que j'avais des élus. Est-ce que j'ai... Est-ce que... Ouais, j'ai une ombre, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est fait? Juste de passer par cette porte. Je parie qu'il s'en va encore au bar. Au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est elle qui l'a... Caution. Ça ne veut pas s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Mais comment tu veux... Très forte. Comment tu veux que je fasse? Pour briser les structures fragiles. Allez. Ah ouais, carrément, en fait, c'est Superman la fille, quoi. C'est Superman, Supergirl. Ah ouais, tranquille, quoi. Il est où, Johnny Bigood? Incroyable, Vincenzo. C'est un illusionniste connu dans le monde entier. Qu'est-ce que papa peut bien faire avec lui? Et j'étais là. Où vas-tu? Papa est allé par là. M'empêche d'aller là où j'ai envie. Fuck. Bon bah tant pis, on va... Et là, si je veux y aller. Il y a des endroits où je peux pas aller, voilà, je suis triste. Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter, rien que pour cette nuit? Parce que c'est mon numéro top secret. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous clé dans son bureau en haut, jusqu'à ce qu'il l'a... Ok, je m'en fous, on continue, j'aimerais bien jouer. Trouver la boîte... Je suis soumis à tout ce qui ressemble à une ombre. Quitter l'ombre. Donc là, il y a interagir. Je peux déplacer les objets, donc imaginons que je vais là-bas. Il va falloir que je trouve une solution pour... Alors, interagir. Pour visionner un objet collectionné. Ah bon, ça, ok, super. Ok, j'en ai raté quelques-uns, alors. Il y a forcément un truc que je peux faire que j'ai pas encore vu. C'est ça. Ok. On est passé là. Je suis dehors. Hop, je suis ici, ici. Dans le film, dans le bar. Ouais, mais c'est pas là, du coup, où je suis. Merde. Il fallait peut-être que j'aille de l'autre côté, tu crois? Me serais fait avoir comme un bleu. J'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Ça, c'est quoi ça? C'est gentil, Didi. C'est un souvenir? Maman? Ok, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, c'est un toboggan le truc. Et si je repasse là, je vais me le retaper? Oui. C'est gentil, Didi. Maman? Ok, je suis sorti du bar, j'aurais pas dû sortir. Oui, mais j'y suis à l'étage, espèce de grosse connasse.
J'y suis déjà, j'y étais, espèce de grosse connasse. Ouais, ça va vite me saouler par contre si je trouve pas. Je suis à l'étage. Trouver la bobine de fil à l'étage. Dans le bar. Trouver la bobine de fil dans le bar de jazz. Bah ouais, mais j'y suis. Putain, me dites pas que je suis un handicapé à ce point-là, quoi. Faut que j'aille là-bas. Comment tu veux que je rejoigne l'autre là-haut? Faut que j'interagisse avec ce truc pour le faire aller. On va pas me dire que c'est un truc comme ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux que je fasse? J'ai un peu du mal à savoir comment faire pour atterrir là-haut. Je crois que je vais regarder sur internet, ça va pas tarder. Je vais pas tarder à tricher. Là on est d'accord, c'est normal. Il faudrait que j'aille dans celui-là là-haut. Je peux pas interagir avec autre chose pour l'instant. On est d'accord que là, ça c'est pour accéder là. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Alors, voilà, je vais tricher, je vous l'annonce. Je vous l'annonce, clair et net, hein. Alors... Putain, je sais pas écrire. Alors, dans ce bar, blablabla. Ok, c'est ce que j'ai fait. Attends, ainsi passer en forme d'ombre pour atteindre la partie supérieure. Faites le tour, puis allez dehors depuis la passerelle. Ici, passez encore une fois en forme d'ombre, afin de mettre la main sur le sixième luminaire. Je suis un handicapé ou quoi? Attendez, je dois être un handicapé. Ah mon dieu, là, il y a une ombre.
Allez vous faire foutre. Ah mon dieu, il fallait le voir. Et voilà, ok. Ben, merci internet. La bobine au cinéma. Sauvegarde. Un luminaire. Putain, ça faisait une ombre dans la fenêtre, quoi. On déconne. Allez là, ma copine. Putain, j'arrive pas à sortir. Ouf. Maintenant, il faut lui apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. Il est allé au cinéma. Fenris, j'ai joué pour le roi de l'univers. C'est qui parle? Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides. Oh non, pas moyen de traverser. Je sais pas si elle a remarqué le bordel qu'il y avait. Hein. Le bordel qu'il y a dans cette rue, quoi. Les trucs, ils sont en lévitation. Apporter la bobine au cinéma. C'est quoi ça? Ah, c'est encore un souvenir. Tout ça pour récupérer des trucs. Des luminaires. D'accord, ça fait de la lumière ces trucs-là. Tout se joue sur la lumière, c'est dingue quoi. Ah, je peux pas passer là, c'est quoi ce bordel? Tant pis. Oh, t'as pu fracasser des trucs en bois là? Tranquille quoi. Par contre, comme j'ai pas lu la cinématique, je sais pas par où il faut que je passe. Je suis nul, j'aurais dû lire. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, moi je vais m'arrêter. Ah bah tiens, oui, c'était là, je l'ai pas vu. Putain, depuis tout à l'heure, elle est là. Oui, voilà, ça a mis de la lumière. Ciel, c'est plein d'étoiles. Attendez, je vais passer ça. Je vais passer cette épreuve-là. Non, bah les couilles. Hein? Je suis où, là? C'est quoi ce point de sauvegarde? C'est gentil, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ah, attendez. Du coup... C'est gentil, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Ouais, je m'en bats les couilles. Allez, ça me saoule. Donc, je sais pas pourquoi c'est revenu comme ça. En tout cas, on est revenu là où on était tout à l'heure. Comme s'il avait oublié des trucs, le jeu, quoi. Il m'a ramené à un point à la con. Allez, elle est là, la fille. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu vous a plu. Il s'appelle Contraste. En tout cas, il est très original. Moi, j'aime bien. Vous avez vu que ça se jouait complètement sur les ombres. Encore un style de jeu, encore un truc. Je pensais pas que... Plus j'avance, plus j'en découvre des jeux, plus je me dis, ouais, con, mais les mecs, ils ont pensé à des concepts qui sont énormes, quoi. C'est des trucs de fou, ces jeux-là. C'est con, hein, mais putain, qu'est-ce que c'est, des trucs de fou. Donc, je vous laisse là sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'un prochain jeu Stagewone. Abonnez-vous pour recevoir les notifications. En général, c'est à 17h. En général, c'est tous les jours. Jusqu'à où ça va aller, je sais pas. Pour l'instant, je suis à fond. Donc je vous dis sûrement à demain, donc, à 17h. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et on se dit salut.